Les scorpions, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous et que cette rentrée s'est bien passée, que vous êtes heureux. Ce mois d'octobre commence et on va aller voir vos énergies, un petit peu de quoi va être fait ce mois d'octobre avec vous, pour vous, avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous les connaissez sûrement, je les utilise tout le temps et on va les doubler avec un très beau tarot qui s'appelle le Mystic Mondays Tarot. On va faire vos énergies et à la fin de ce taroscope qui se suffit complètement à lui-même, mais je vais vous proposer une extension qui sera faite avec le tarot Cats d'Anna Juan, qui est vachement sympa, qui est très mignon, et puis l'horoscope Béline. Voilà, donc pour tous ceux et celles à qui ce taroscope, ces énergies d'octobre ont parlé, vous pouvez me rejoindre là sur le lien Gumroad. Scorpion, octobre, et vous aurez la suite. Voilà, chers amis. On y va. On regarde déjà avec le Monday Staro. Qu'est-ce qui saute? On prend ou on prend pas? Non, il n'est pas prêt le jeu. Ou c'est moi qui ne le suis pas? Je ne sais pas. Allez, on va aller regarder un petit peu. Je vous montre les cartes, je ne les commente pas. Mais ce qui vous attend, mes petits scorpions, bah, c'est pas mal. On commence avec un 10 de coupe. Pour tous ceux et celles, l'ermite, qui veulent une guidance, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, avec moi. Waouh, deuxième arcane majeur quand même, hein, les scorpions. Rien de plus simple, vous... Ok, super. Vous me contactez, il y a mon mail qui est juste en bas, il y a mon site internet, je propose des consultations d'une heure ou de 30 minutes suivant ce que vous avez besoin d'aller explorer, suivant votre bourse. Vous pouvez effectivement adapter votre demande, en tout cas moi je m'adapte à vous. Voilà, allez, on y va. Le soleil, le jugement, la roue de fortune et l'impératrice. Allez, go! On y va pour l'interprétation. Oh, ce que vous voulez, ça, au départ, c'est ce que vous voulez, ce qui vous anime, ce qui est votre dada à vous, ce qui va être important pour vous. C'est ce 10 de coupe-là. Et ce 10 de coupe-là, on le voit, c'est le dernier d'une série. Hein, c'est le dernier de la série des coupes. C'est donc un accomplissement. C'est un peu le bonheur absolu. Et pour moi, ce 10 de coupe, je règle 2-3 trucs, mais ce 10 de coupe va représenter un épanouissement au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau amoureux, mais pas que, hein. Tout ce que vous aimez, tout ce qui est tout ce qui vous plaît, tout ce à quoi vous aspirez, c'est ce qui vous motive sur ce début octobre, couplé avec un soleil, une association, l'idée de la chaleur, de la vérité, du couple, de l'amour, de l'engagement. Là, si on voulait être très pragmatique et très... voilà, si on n'allait pas chercher dans les profondeurs, on dirait, bon, bah là, il y a un mariage, là, il y a une rencontre sentimentale, là, il y a quelque chose qui vous épanouit au niveau amoureux. Oui, complètement. Mais on sait bien que tous les scorpions et scorpionnes qui nous regardent ne vont pas vivre cette situation-là. En revanche, c'est une énergie que vous aurez qui vous anime, qui vous porte. Donc, soit de réussir votre vie sentimentale, soit effectivement de vous associer avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, que vous aimez. Par exemple, dans le travail, il y a des gens qui sont particulièrement motivés quand il y a de l'affect, d'autres pas du tout. Ils préfèrent se retirer quand il y a de l'affect, mais là, ce serait plutôt l'inverse. Ok, j'aime bien cette boîte, je vais m'associer avec cette boîte, j'aime bien ce collègue et puis j'aime bien travailler avec cette personne-là. Il y a l'idée de l'association et de l'affect. Il y a l'idée de mettre de l'affect là où il n'y en a pas forcément. Vous allez être extrêmement fédérateur pour moi, hein, parce que le soleil, c'est votre énergie, extrêmement puissant dans votre énergie. Les scorpions, vous allez emmener l'autre avec vous. Les autres vont certainement être très attirés par cette énergie-là, qui est très solaire.
D'accord? Quand on dit que quelqu'un est solaire, qu'il est lumineux, qu'il a une espèce d'aura, de charisme comme ça, c'est peut-être que vous vous connectez à ce qui est vraiment important, ce que vous aimez profondément et qui donne, donne ce charisme, cette lumière, cette chaleur. L'idée du soleil, on est franchement dans l'idée de tout ce qui est très propice aux associations, à l'engagement. D'accord? À l'engagement, à l'aide, à l'entraide. Vous voyez, ce genre de choses qui posent quand même. Hein? Vous voyez, c'est le symbole du mariage dans un couple. C'est quelque chose qui ancre. Mais si ce n'est pas un couple, ça peut être un contrat, ça peut être quelqu'un qui vous fait confiance. Il y a l'idée de la confiance, du partenariat. Ça, c'est votre base. C'est ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous, vous rêvez, qui va vous animer. C'est ce qui va être votre guide. Et votre défi, ça va être cet ermite. Alors, l'ermite et le jugement. On a dans ce défi-là l'idée de la solitude, de se retrouver seul. C'est comme ça que je le canalise. Pour vous, les scorpions, est-ce qu'il y a une peur par rapport à la solitude, justement, la peur de ne pas former un couple, la peur de ne pas trouver d'associé, la peur d'être seul. La peur d'être seul vient souvent, c'est construite à un moment donné, parce que après tout, on est des animaux grégaires, on est bien d'accord, donc on a besoin des uns des autres, mais être vraiment dans l'embarras, l'inconfort quand on est seul, c'est encore autre chose. Et là, il y a peut-être une petite peur qui vient. Comme par hasard, il y a l'envie de faire couple, l'envie du partenariat, l'envie d'être avec l'autre, l'envie d'amour, l'envie d'être aimé, l'envie d'affect. Et de l'autre côté, bah forcément, il y a peut-être quelque chose qui motive tout ça. Peut-être la peur de la solitude, la peur de se retrouver seul, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur de pas faire, partie du groupe. Et cette peur-là, elle vient peut-être de loin. Parce que déjà, on a l'ermite, donc on a le temps, on a le retour dans le passé. On nous dit, ça vient pas d'hier, ça s'est pas construit hier, ce truc-là. Mais ça vient sûrement d'une structure familiale qui a créé, vous a appris cette peur-là. Pas exprès, hein, on va pas à l'école pour... Mais ça s'est créé, ça s'est construit, ça s'est transmis. Ça s'est transmis et il y a besoin de faire sortir... les cadavres du placard, il y a besoin de faire sortir cette peur-là, on va dire, de l'identifier pour pouvoir la transcender, d'accord ? Pour pouvoir la transmuter en quelque chose de vertueux qui va être l'ermite, la sagesse, la capacité justement à pouvoir être seul sans problème. Et puis, le jugement qui va pouvoir permettre une renaissance, une résurrection quelque part. Ça va être votre défi sur ce mois d'octobre, c'est à la fois d'affronter ça et en même temps de concrétiser ça, d'accord ? Et les deux se parlent, les deux sont emboîtés, d'accord ? On peut pas faire l'un sans l'autre visiblement, en tout cas, si ça vous le voulez, il va falloir dépasser ça. Comment y arrive-t-on ? Waouh, on a le diable. Le diable et la roue de fortune. Le diable, justement, il va nous parler de ce qui vient diviser, de ce qui vient couper, hein, à la fois l'envie de faire deux, l'envie d'amour, l'envie de tout ça, et puis une autre part qui se sent peut-être qu'a peur de la solitude et en même temps qui se sent rejetée, et sans doute que peut-être que cet ermite est là justement parce que, je veux dire, attention, si tu fais couple ou si tu vas dans un groupe ou si tu intègres une structure comme ça, il est possible que tu sois rejeté, comme quand tu étais petit ou quand tu étais petite, soit dans la famille, soit à l'école, etc. Donc, c'est quelque chose d'inconscient, évidemment. Et le diable, lui, c'est ça son rôle, c'est bien de diviser. En revanche, le diable, il est là pour vous aider. Il est là pour faire la lumière dessus. Donc, il est fort probable, couplé avec cette roue de fortune, que le diable, lui, ça soit une énergie qui vienne vous parler de ces deux polarités, justement. Peut-être que tout ça, vous n'en avez pas conscience et que là, il y a une prise de conscience sur
bah, mes besoins, mais aussi mes dépendances. Mes atouts, mes qualités, mais aussi, enfin, il n'y a pas de qualité de défaut, mais là où ça tourne rond, et puis là où ça tourne pas rond, mes dysfonctionnements, en tout cas, ce qui vient m'entraver, ce qui vient me parasiter quelque part, d'accord? Ce qui vient me saboter dans mon évolution amoureuse, affective ou sociale, voyez? Le diable, lui, vient mettre la lumière là-dessus, et en même temps qu'il met la lumière, pour moi, c'est une façon. Vous voyez, c'est, on ouvre la porte, il y a l'escalier, on va dans le tréfonds. Alors, est-ce qu'on descend l'escalier ou est-ce qu'on le remonte? On ne sait pas. Mais en même temps, ce diable-là, il vient y mettre de la créativité, il vient y mettre de la puissance, il vient y mettre du charme, il vient y mettre de la séduction, de la passion. D'accord? Ce diable-là, c'est de la passion. Donc, il y a l'idée de faire couple, il y a l'idée d'affect, il y a l'idée de tout ça, il y a l'idée de la passion, ok? Et aussi de mettre de la lumière, c'est-à-dire que oui, la passion, d'accord, qu'est-ce qui se cache derrière? L'amour, d'accord, qu'est-ce qui se cache derrière ma peur d'être seule, etc., etc. Donc, il y a ces deux notions-là, l'idée d'identifier ce qui. Cette peur d'être seule, cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, et puis en même temps d'y mettre de la passion. D'accord? Du cœur à l'ouvrage. C'est peut-être parce qu'il y a des petites peurs que de l'autre côté, il y a de la passion. On ne sait pas. Voyez? Peut-être parce que j'ai peur d'être abandonnée, que je me passionne dans cette relation, que je trouve que cette relation est extrêmement passionnante, que j'en ai besoin, etc. Mais le diable, attention, il vient éclairer. Ne vous laissez pas trop happer par cette énergie-là. Heureusement, vous avez cette roue de fortune qui vient vous parler d'un cycle qui se termine et un autre qui commence et qui vient vous parler de destin. L'idée dans tout ça, c'est pas de se mettre martel en tête, c'est de se dire, ok, peut-être qu'il y a quelque chose que je dois comprendre, que je comprendrai plus tard. Peut-être que la roue du destin est en train de tourner pour moi et qu'effectivement, il y a un nouveau cycle qui s'annonce, qui va être peut-être moins celui du rejet et de la dépendance et plus celui de l'acceptation que je suis comme ça et du coup à plus de maîtrise. D'accord? Quand je sais que j'ai un petit souci de dépendance affective, par exemple, même si je ne contrôle pas tout, je peux anticiper, je peux faire attention. Et en même temps, on vous dit, bah, de toute façon, laissez faire les choses. Le destin est en marche, un cycle se termine, un autre arrive. Laissez-vous aller. Il y a une espèce d'à la fois de lâcher prise autour de ça, hein, de dire, bah, de toute façon, vous ne savez pas. Donc, voilà, agissez avec passion si vous le souhaitez. De toute façon, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. D'accord? Vous ne savez pas de quoi sera. Comment va être jalonné votre chemin. D'accord? De quoi il va être jalonné ce chemin-là. Quels animaux étranges vous allez rencontrer. Donc c'est assez marrant, c'est-à-dire que à la fois vous avez l'idée de l'amour, de la chaleur, de la rencontre, de la passion, etc. Et de l'autre côté, il y aurait effectivement une peur, une petite peur derrière qui a été construite il y a bien longtemps, petite peur de l'abandon, de la solitude, d'être rejeté, etc. Et cette dualité finalement qui est là, qui est représentée dans le diable, crée beaucoup de passion. Hein. Ça fait il y a de l'émulation à l'intérieur de vous. Et j'avais envie de dire pour le mieux, parce qu'on a la fille de bâton qui vous redonne une espèce d'aura, vous voyez cette femme qui est là avec son bâton, hyper gracieuse, c'est la fille de bâton, alors c'est un petit peu l'équivalent du valet, mais c'est féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais le valet de bâton, ou cette fille de bâton qui vient vous dire, bah, moi je commence quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, un nouveau désir. Hein. On est dans la passion amoureuse, hein, amoureuse ou de la passion tout court. Hein. Regardez, elle danse, elle, ça se trouve, c'est sa nouvelle passion. Mais de toute façon, avec les bâtons, le diable, tout ça, moi je vois bien, on n'est pas, on n'a pas de coupe, on n'a pas de bâton, on n'a pas d'épée, on est. Si, on n'a que des coupes, pardon, et on a du bâton. On n'a pas d'épée, on n'a pas de denier. On est vraiment dans quelque chose de sentimental, d'intuitif, d'instinctif, de passionné, de désir. C'est très scorpion, hein, c'est très chaud comme ça, c'est très caliente. Et on a ça et on a l'amour.
Moi, vous avez un jeu, les scorpions, si on ne parle pas du love, 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 je ne sais pas de quoi on parle, vous voyez? Donc, ok, on peut l'adapter à des activités, à des choses que vous aimez faire, etc. Mais en attendant, il y a quand même l'idée de rentrer. Alors, ces deux énergies, elles se ressemblent. Ces deux filles, ces deux adolescentes, hein, l'impératrice, c'est une jeune femme, c'est une adolescente, une jeune femme. Elle est l'abondance, elle est l'amour, elle est l'enthousiasme, elle est la créativité, elle est tout ce qu'elle touche se transforme en or. Vous voyez, c'est vraiment une énergie extrêmement douce, amoureuse. Voilà, s'il y a des scorpions qui veulent faire un enfant, c'est le moment. S'il y a des scorpions qui veulent s'engager, c'est le moment. Là, on a cette énergie qui est redondante, qui est celle-ci, c'est j'y vais avec enthousiasme, je ne sais pas très bien ce qui va se passer, je ne connais pas très bien ce domaine, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de prendre des cours de théâtre, j'ai envie de cette relation, je sais bien que peut-être ce ne sera pas la relation de ma vie, mais ce sera une relation passionnée, une relation, voilà, que je vais croquer la vie des deux bouts. Il y a vraiment cette idée de foncer, quoi, hyper chaud. Alors, effectivement, c'est peut-être ces petites peurs transmises de génération en génération dans la famille, qui crée cette espèce d'envie de bouffer la vie, d'avancer, d'aimer, d'être aimé, et tout ça vous va très bien, les scorpions. Ok? Donc c'est un très très beau jeu pour vous sur ce mois d'octobre. On va regarder ce que vous réserve le tarot 4 pour l'extension. Donc pour ceux et celles qui décident de s'arrêter là, et j'avoue que c'est un très beau jeu, je sais pas, ça, vraiment, ça parle d'amour et de passion. Donc, et d'accomplissement hein, dans ce domaine-là, hein, on va dire que les défis, les obstacles, ils sont minimes. Ben pour ceux à qui ça parle, je vous propose de me rejoindre, waouh, avec encore des bâtons, et cette fois c'est un cavalier. Je vous dis, il y a quelque chose d'extrêmement passionné pour vous. Ah, enfin des épées. Un 2 d'épée, c'est, vous voyez, c'est pas très équilibré. Ah, là, on rentre dans le monde des épées. Le 4 d'épée. Ok, il y a une sous-couche. Il y a quelque chose qui vient. Autre chose. Et enfin des deniers avec un 3 de deniers. On va aller voir ce que ça veut dire. C'est assez intéressant d'avoir autant de passion, autant de bâtons, autant de coupes. Et puis de. Ok, la carte bleue. Allez, c'est bien. L'union. Mais voilà, je vous dis, hein, on parle, si on ne parle pas d'union, d'amour, de la prospérité et d'argent. Wow, c'est amour, gloire et beauté, vous. Hein. La girouette. Allez, on se rejoint tout de suite, les scorpions. Pour les autres, je vous dis au revoir et à très bientôt et un très bon mois d'octobre.